Né le 3 octobre 2024, et ça fait un an que je vis la même journée, 7 jours sur 7. Cette journée, elle est très simple. Je me réveille entre 6 et 7 heures. Je travaille jusqu'à midi. Ensuite, j'ai des appels avec mon équipe, avec mes clients, avec mes prospects, jusqu'à 16 heures. Ensuite, je vais m'entraîner une heure en Muay Thai jusqu'à globalement 18 heures. Je rentre chez moi, je mange et je vais me coucher. C'est cette vie-là, c'est cette journée en boucle qui se répète pour moi depuis un an. Est-ce que ça me rend heureux? Pas forcément. Est-ce que c'est un mode de vie rêvé? Pas forcément. Est-ce que c'est le mode de vie qui me permet d'atteindre mes objectifs? Absolument. Est-ce que c'est le mode de vie qui me permet d'être plus fort au quotidien? Absolument. Est-ce que c'est le mode de vie qui me permet de maintenir la cadence 7 jours sur 7 avec ce rythme-là? Absolument. Et c'est ça que je veux vous faire comprendre. C'est que pour devenir un bon entrepreneur, pour devenir un bon homme, un homme fort, un entrepreneur aguerri, un entrepreneur à succès, faut pas voir le lifestyle. Faut pas se dire, ah, un entrepreneur, il est sur son ordi, il imprime de l'argent, prend un jet privé, il va à Bali. Pareil pour un sportif. Le but, c'est de faire les mêmes actions tous les jours pendant une décennie. Et si vous faites ça, personne ne pourra vous battre. Et vous aurez un succès certain. Pourquoi? Parce que le succès se trouve dans les fondamentaux. Et les fondamentaux dans le sport, c'est s'entraîner tous les jours. Et dans l'entrepreneuriat, c'est travailler tous les jours. Avoir le bon rythme de travail. Et c'est pour ça que cette journée type que j'ai, donc globalement, ça fait une dizaine d'heures de travail, 2 heures d'entraînement, et parfois un peu de travail davantage le soir. C'est la routine, la journée que j'ai depuis un an. Alors c'est difficile à tenir sur la longue. Parfois, j'ai pris quelques jours avec seulement 4-5 heures de travail, mais j'ai travaillé tous les jours depuis un an. Je me suis entraîné tous les jours depuis un an. Et c'est pour ça que j'arrive à avoir des grands résultats en Muay Thai et que je peux préparer un combat. Et c'est pour ça qu'en un an, en termes d'entrepreneuriat, avec ma boîte, avec mes agences, avec mon groupe, on a pu skyrocket et atteindre des résultats de fou. Parce que tous les jours, je fais la même chose. Peu importe la météo, peu importe mon humeur, peu importe ce qui se passe, peu importe la difficulté, peu importe les problèmes, je fais la même chose tous les jours. J'accomplis mes tâches tous les jours. Et c'est ça que vous devez vraiment comprendre. Si vous voulez avoir du succès, faut pas avoir la bonne idée. Faut pas avoir les meilleurs process, la meilleure équipe. Faut pas... Non. Faut faire tous les jours la base de ce qui compose le succès. Et la base de ce qui compose le succès, c'est de faire tous les jours la même chose jusqu'à ce que ça paye. Alors bien sûr, faut se remettre en question. Bien sûr, parfois, on a des doutes. Mais justement, le fait d'avoir la même journée qui se répète 7 fois par semaine, ça va niquer tous les doutes. Pourquoi? Parce que parfois, même moi, j'ai du doute. Putain, j'aurais pas dû faire ça. Putain, est-ce que ça va marcher? Et bah, je me pose pas cette question, j'enlève cette question de ma tête. Je me mets à travailler. Parce que tous les matins, je sais que je dois créer mon contenu et faire ma prospection. Tous les après-midi, je sais que je dois gérer mon équipe et vendre mes produits. Et c'est cette journée type qui fait que je me pose pas de questions, je me mets la tête dans mon travail et je bosse. Et c'est également pour ça que tous les jours je m'entraîne, parce qu'une fois que ma journée de travail est finie, elle disparaît, et je vais au Muay Thai, et le Muay Thai est un des sports les plus difficiles que vous pouvez faire. Et ça vous permet justement d'effacer tout ce qui s'est passé dans votre journée, et de vous mettre complètement dans un état de flow pour vous entraîner au Muay Thai. Donc si vous voulez avoir du succès, peu importe le projet que vous faites, peu importe votre ambition, vous allez devoir passer par cette étape-là. Je fais tous les jours la même chose. Peu importe les éléments extérieurs, peu importe mon moral, peu importe mon niveau de fatigue, peu importe ce que j'ai fait la veille, je fais tous les jours la même chose. Et c'est justement en faisant tous les jours la même chose que vous allez pouvoir avoir du succès. Est-ce que vous croyez que Michael Phelps, pour avoir ses 28 médailles olympiques, il n'a pas tous les jours nagé? Bah si, et pourtant nager, c'est tout le temps la même chose. Et du crawl, la brasse, du papillon ou du dos. Et tu plonges. C'est tout. Et moi, je nage de la même façon, soit dit en passant, que Michael Phelps. Je fais du crawl, de la brasse, du dos et du papillon. La seule différence entre lui et moi, c'est que lui, il l'a fait tous les jours pendant 20 ans. C'est la seule différence. Il n'y a pas de talent. Il n'y a pas de « je suis né pour ça ». Non, c'est qu'est-ce que tu fais au quotidien qui te définit. C'est tout. Il n'y a rien d'autre. Si on prend Jordan, tous les jours, il shoot des 3 points. Et moi, quand je shoot un 3 points,
Je shoote le même 3 points que Jordan, alors pas dans la qualité, pas dans l'outcome, mais la base c'est la même. On shoote tous les deux un 3 points. Maintenant, pourquoi Jordan y met tous ses 3 points et moi j'en mets pas? Parce que Jordan, pendant 20 ans, il a loupé énormément de 3 points et il a fait tous les jours des 3 points. Et par contre, peut-être que je suis meilleur en vente que Michael Jordan. Pourquoi? Parce que moi, ça fait 5 ans que je vends tous les jours. Peut-être que je suis mieux à créer un business en ligne que Michael Jordan. Pourquoi? Parce que ça fait 5 ans que je fais ça tous les jours. Alors le but, c'est pas de se comparer avec des personnalités hors du temps, hors du commun, comme on peut avoir avec Phelps ou Jordan. Le but, c'est de bien comprendre que si tu veux devenir bon à quelque chose, tu veux avoir du succès dans quelque chose, tu dois faire tous les jours la même chose. Moi, mon objectif, c'est avoir du succès dans mon business pour ne plus jamais avoir de problème d'argent, moi et la génération que je suis en train de créer, et ma famille et la dynastie que je suis en train de créer, et être un excellent combattant. Et pour être un excellent combattant et pour être un excellent entrepreneur, tu dois faire la même chose tous les jours pendant des décennies. Aussi simple que ça. C'est ça qui va faire que tu vas avoir du succès. Voici pourquoi je t'invite à avoir la même journée, 7 jours sur 7, pendant des années. Applique ça, reviens me voir en disant et dis-moi ce que ça a changé dans ta vie.